traduis, s'il te plaît. Département juridique. Les preuves suivantes concernant le ministère des homicides fédéraux. Aucune copie ne doit être faite de cette bande preuve en vertu de la section nanana. L'activité frauduleuse avec toute preuve peut entraîner une amende de 17 000 ou 3 ans de prison. Après la séance, vous êtes témoin. Vous êtes le témoin et vrai cas en cours le 9 juillet 1991. Andrew a été brutalement assassiné à Millerson. Oh là là, cette cassette contient des scènes de meurtre, du sang, du gore et de la nudité. Oula! Non, j'avais pas appuyé. Oh non, pas encore un mec qui bosse le soir! Il déteste travailler le soir! Bah tu m'étonnes! Ah, il travaille en tant qu'opérateur, c'est ça? Et il dit, je déteste travailler le soir. En plus, personne n'appelle jamais le 911 aussi tard. Tout le monde est parti au boulot. Tout le monde est parti du taf et je suis tout seul. Seriously, enfin, je suis sérieux. La nuit dernière, I got a call from Jackie about. Ok. Je suis sérieux. La nuit dernière, j'ai reçu un call de Monsieur Jenkins à propos de son chat dans un arbre. Hein? Ah, les gens n'ont pas de vie, c'est ça? La plupart des gens n'ont pas de vie. Just like nerd will play video game. C'est quoi ça, just like nerd? Ah, geek. Ok. Merci. Donc il dit en gros qu'il va aller chercher de l'eau et commencer en gros le taf et que ça va être une longue nuit. Ah, je peux interagir avec les objets en faisant E et marcher avec ZQSD. Oh là, attendez. Get cup. Ah bah oui, je vais prendre une petite tasse de d'eau. Et là, il va commencer son boulot. Alors, je pense que là, c'est la salle de pause, hein. Je pense, hein. Il va falloir sortir pour aller bosser. Maintenant que je me suis pris à boire, I can start taking some 911 call that come in. Bah là, du coup, il va se mettre à son boulot, quoi. Ok, il doit juste trouver un bureau avec un téléphone rouge. C'est quoi? Il doit trouver un bureau avec un téléphone rouge. Pour commencer, genre les calls là? C'est quoi le délire? Attends, ça, il n'y a pas de téléphone rouge, hein. Il y avait vraiment un téléphone rouge et je l'ai pas. Ah ouais, là! J'avais pas vu. Bah écoute. I can use this computer and phone to take call. Pourquoi? Sit down and take. Bah oui, je vas-y. Assis-toi, c'est bon. J'ai peur. Ok. I can ask multiple questions. I need to get as much information as possible. Ok, il a besoin du maximum d'informations possibles. Ok, donc je peux regarder comme ça. Les gars, j'ai peur qu'il y ait un truc à l'écran ou quoi. Alors, si t'as. Ah oui, putain, c'est le téléphone, d'accord. Ah! Bonjour, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin du département du feu, quoi. Doucement, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Well, send them now. C'est genre. Ah merde. Envoyer? C'est pour envoyer? On va les envoyer, merci, voilà, c'est ça. Est-ce que je lui dis calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Non, où êtes-vous? Où êtes-vous? Ok. Parce que je me dis, la personne est en full panique. I'm at Danny Bar. Zero smoking. Oh là! Mais attends, mais c'est du foutage de gueule. Donc en gros, il vient de piquer une ligne téléphonique pour faire des blagues, là. Mais c'est n'importe quoi. C'est un canular. Je veux lui dire, c'est pour les services d'urgence uniquement. Fuck you, buddy. Fuck you, deep shit. Oh là là, je vais mettre 3 petits points et puis c'est tout. Hein. Ok, bon, en gros, c'est quelqu'un qui lui a fait perdre son temps. C'est juste un prankeur, là. J'ai trop peur qu'il y ait un mauvais bail, je sais pas pourquoi. Je le sens pas. Ah. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vas-y. Monsieur, madame? Je sais pas, je vais dire ça. Hello? Est-ce que vous êtes en sécurité?
Encore un autre prank, super. Quand même bizarre le prank là. Ok, bonjour, j'aimerais report à 10 Disturbance, c'est quoi? Une nuisance, ok. Ok, donc je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 enfants. Miller and Son, Slaughter. Attendez. C'est la fameuse histoire qu'on a lue au début, non? Est-ce que vous les voyez? Ok, ces gens, ils sont juste là. Je peux les entendre crier. Ok, la police arrive. Ils arrivent maintenant. Oh non. C'est vite, ok. Le 2 juillet 1990, l'officier Andrew a été porté disparu à Maston Lake Area. C'est la maison, ok. Au nord de Maston Lake. Le corps a été retrouvé mutilé et dans un état horrible pour être identifié. Oh là là, c'est horrible. Myers le retour, hein, mais grave. C'est un abattoir. C'est pas une maison, c'est un abattoir, ok. Oh la vache, ok. Monsieur Andrew répondait à un appel de Millar Henson, abattoir machin là. Bien que vous envoyiez tout contact avec Andrew après avoir répondu à cet appel, il croyait qu'il fut pris et tué pendant l'abattoir. Cependant, seul Andrew connaît l'histoire complète. Là, pas tout Google Trad a un peu merdé là au niveau de la tournure des phrases. On a la POV de Monsieur Andrew! Ah, dispatch! Donc voilà, là je call à l'opérateur que j'étais quelques minutes avant là. Dispatch, c'est Andrew. Je viens d'arriver sur la scène. Il y a no sign of anyone here so far. Donc, il n'y a aucun signe pour le moment. Personne, aucun signe. Donc là, Andrew vient d'arriver sur la scène, mais il n'y a personne. Discat Andrew. Monsieur Jenkins, ok, Monsieur Jenkins a dit... Ah là, c'est moi qui parle, c'est l'opérateur du coup. Monsieur Jenkins a dit avoir vu 4 enfants entrer dans l'abattoir, probablement. Encore une fête. Donc, il va aller checker là-bas. Et je te dis si je vois quoi que ce soit. L'autre, il passe... L'opérateur, bon bah, tu passeras le bonjour à ta femme, hein. Ça fait 3 mois. Je passe lui rendre visite ce soir à l'hôpital. Je lui passe le message. Ok, c'est à moi. Oh, j'ai trop peur. Les gars, franchement, les jeux comme ça, sans déconner, c'est les meilleurs, hein. C'est sûrement leur voiture, le capot est encore chaud et le moteur tourne encore, quoi. On apprend l'anglais, hein. On apprend l'anglais en même temps, ce qui est pas plus mal, hein. Ok, donc là, les gars. Oh! Attendez, ça sent la merde, je trouve. This is my undercover car. I haven't been out much since the baby. Pas compris ça. Il doit y avoir un passage là. Regardez, il y a un passage. Oh! Ah d'accord, ma femme a accouché. Il y a quelqu'un? Oh, hé. Ça pue, hein. Ça pue, hein. Cette voiture est complètement abandonnée. Ah, les roues sont pourries, en gros. Ah, bah voilà, j'avais trouvé roues, hein. C'est déjà pas mal. Hein. Mais par contre, c'est... Oh! Eh, les gars, j'ai pas envie d'y aller, c'est là que je vais me faire buter. C'est là que je vais me faire buter. Oh là 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 là. C'est horrible, en fait, de savoir que tu vas dans un endroit... Où tu vas te faire tuer. Là, on est au courant. Quatre roues crevées, ok. Il n'y a pas une flashlight. Andrew, Zersidist. Oh là là!
Est-ce que tu m'entends? Maudite radio. Je dois retourner à l'extérieur pour avoir du signal. God damn it, Doug. Attends, de quoi? Quoi? Oh putain. Bon bah on est mort. Ça pue, ça pue. Donc là, je dois essayer de trouver la sortie. Ok, c'est juste des vieux miroirs. À quoi ça sert d'aller ici, alors? Les gars, j'ai les mains moites. C'est fermé. De l'autre, depuis l'autre côté. Bon, on est foutu, hein. Klaxam. Ok, bon, c'est une boîte de fusibles. Je peux pas l'ouvrir. So rusty. C'est quoi rusty? Mais là, je dois pouvoir péter un truc, là. Trop de rouille, ok. Bon, bah là, je pense que c'est mort, ça. Alors, attends. En fait, il y a plusieurs portes. Ok, c'est fermé depuis l'autre côté. C'est fermé depuis l'autre côté. Cette porte n'a pas de poignée. Je dois essayer de la trouver. The window too small. Oh bah, fais pas... Eh non! Too small de rien du tout, hein. Tu passes, là. Les gars, j'ose pas me retourner. Je vais me faire charcuter. Faites pas les cons. Forcément. Oh, cherche dans les toilettes. Oh bah, hé. Hé, j'ai le flair, hein. Ah bah, sur ces moves-là, moi j'ai le flair. Et voilà. Et voilà. Comment je suis une craquito. Non mais voilà. Putain les gars, je suis en full panique parce que je suis en mode là, on va se faire couper en rondelles quoi. C'est un vieux PC. Ouais, là, il va pas pouvoir le... Ah ! Lire la pile de papier quoi. Le 19 mars 1984, employé meeting. Il y a de meeting où il est George Miller today. En gros, il était avec George Miller aujourd'hui. Et il avait une étrange fascination. Oula, pour la mort. Et il a même pris une photo de la carcasse de l'animal. Tu m'étonnes que le mec ait été surpris. Et George, il était très... Enfin, being quiet, là. Genre, c'était quoi? Il était en mode très calme, quoi. Donc, il y avait un employé, si je comprends bien, de là où il bossait, qui a vu une carcasse d'animal mort. Et qui a été fasciné par cette carcasse. Il l'a pris en photo. Et le mec est resté très silencieux. On la sent là d'où il a.
Cette petite odeur de merde, hein. On va tous, je crois, se croiser 1 000 heures aujourd'hui, hein. Oh putain. Oh fuck. Oh putain. Y a pas un truc qui est passé à l'écran? C'est une vieille note, je la lis, oui. Georgie agit étrangement ces derniers temps, sa fascination pour les animaux morts devient assez préoccupante. L'expression sur son visage quand il tue le bétail est inquiétante. Je ne sais plus qui il est. Depuis que sa mère est décédée, il devient de plus en plus enfermé et retenu. Je vais discuter avec lui aujourd'hui. Peut-être qu'il a juste besoin d'une conversation avec un vieil ami. Hé, on va se le prendre plein fouet, l'autre con, là! Oh, purée de patates. Oh là là. Il y a quelque chose qui est attaché à la porte, est-ce que je le lis? Ce sera la dernière fois que tu entendras parler de moi. Une bougie vacillante sur la table, une larme d'or, il n'y a que la panique. Brisée, je demande pardon. Celui qui vit. Oh là 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 là. Bon, un petit peu de sang. Oh putain. 16-31. Ah, la fameuse vanne là. Ça sent la merde. C'est vrai, les coups des quatre gamins et il y a quatre lits. Ok, c'est bon. Je peux passer de l'autre côté de manière sûre maintenant. Les gars, je me sens pas bien. Ok, j'ai besoin de l'ouvrir avec le keypad. C'était combien? Les gars. 100%, il y a Jason ou je ne sais qui derrière. Les gars, les quatre enfants, ils sont morts. Ils ont été tués. Et là, bah, on est la prochaine victime. Les gars.
Oh là là. Non mais c'est horrible de savoir qu'en fait on va mourir là. J'ai envie de fermer les yeux. Je pense qu'il faut que je reparte. Comment il m'a fait peur?